Dans le segment haut de gamme, la nouvelle 9 G-Tronic est la première boîte de vitesse automatique 9 rapports à convertisseur de couple hydrodynamique au monde. Particulièrement efficiente, elle contribue à réaliser des économies de carburant pouvant aller jusqu'à 6,5%. Les sauts de régime entre les différents rapports ont été sensiblement réduits. Les changements de vitesse sont donc plus rapides, tandis que le processus de passage des rapports reste quasiment imperceptible. La 9 G-Tronic étant en mesure de sauter certains rapports, elle permet des rétrogradages multiples pour des accélérations particulièrement dynamiques. Regardons le système dans le détail. Malgré les deux rapports supplémentaires et ses fonctions électro-hydrauliques, la 9 G-Tronic se contente du même espace que son prédécesseur, la boîte 7 G-Tronic Plus, tout en étant plus légère. À gauche, le convertisseur de couple optimisé avec amortisseur de torsion à double turbine et pendule centrifuge. À l'avant, l'embrayage de pontage de convertisseur. En suivant l'arbre de transmission de la boîte de vitesse vers la droite, nous découvrons le train de pignon 9 rapports patenté avec ses 4 trains planétaires et ses 6 éléments de commande. Ici, la roue de frein de parking, et en dessous, la commande du frein de parking. La pompe à huile additionnelle électrique se trouve ici. Cette protection abrite le module mécatronique entièrement intégré, ainsi que son calculateur et la plaque de commande électro-hydraulique. À côté se trouve la pompe à ailette hautement efficace, à disposition off-axis. Et en effet, les 9 rapports avant sont tout ce qu'il y a d'efficace. La boîte 9 G-Tronic est compatible avec la propulsion arrière, intégrale, hybride et hybride rechargeable. Suite à son introduction à bord de la classe E, elle sera utilisée au cours de ces prochaines années dans presque toutes les séries et avec différentes variantes de motorisation.